Hello everybody, I'm Sionegen et here. Hello everybody, I'm Sionegen. Et toi? Voilà. Alors on va voir les extras quand même. Ah, les extras c'est que ça. Ah bon, on peut les regarder à l'intérieur. Allez, continuez. Chapitre 4. L'apprenti. Amicia et Hugo ont réussi à s'échapper de justesse du monastère où elles attendent des hordes de rats. Les rats craignant la lumière, les orphelins profitent des derniers rayons du soleil pour progresser vers la ferme des Laurentius. Putain, ça veut dire qu'on va se taper des rats tout le long, moi je vous le dis. Voilà. Amicia! Commence à faire sombre. Allez, on avance. Par contre, ça ramouille un peu, non? Là-haut, un moulin. C'est la ferme de Laurentius? J'espère. J'ai jamais vu un vrai moulin. Si on reste prudent, tu en verras un très bientôt. Allez, faut avancer. Ah d'accord, t'as pas le droit d'utiliser tes affaires. Ah c'est des... Oh, quand il y a des corbeaux en général. Amicia, regarde. C'est un de ceux qui ont attaqué la maison. L'Inquisition. Ils sont là. A priori, il a été éventré. J'aime beaucoup le visage de l'actrice. Je sais pas d'où vient de qui elle est tirée, mais en tout cas, c'est très très beau. Comment ils font ça? C'est des animaux, bordel. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Il y a un rat, peut-être? Ce que je dis, c'est qu'on se débarrassera pas de ces nids avec de la chaux. L'important, c'est qu'on soit parti quand le soleil sera couché. Ah bon? Et lui, c'est leur territoire. Ah, c'est comme les guêpes. D'accord. On prend une pierre. Attends, juste pour savoir, j'entends un autre qui bouge. Putain, ça rame là! Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne dit rien comme bruit. Attends, on va attendre qu'il se retourne. Et après, on va prendre la poudre d'escampette. Non, rien. Y a rien du tout. Ah merde. Voilà. Oh putain de ta mère. Amicia, regarde. Il y a un pont qui va vers la ferme. Oui, en effet. Ça ne sert à rien tout ça. Le grand inquisiteur devrait nous dire ce qu'il attend vraiment de nous. D'accord, on a récupéré un pot. On pourrait lui mettre une... Amicia, non, je n'ai pas le choix. Non, mauvaise idée. Moi, je te tiens pas la main, par contre... on va prendre le pot à mon avis. C'est où déjà? C'est pas ça. Ouais. On va l'envoyer par là-bas. C'était quoi ce vacarme? Ah, il y a la main qui est tenue. Donc là, c'est bon. Oh putain. Donc là il y a un épouvantail. Il est en train de creuser quelque chose avec sa pelle. Oh wow 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 wow. Qu'est-ce qu'il fait? On va faire un truc. A priori, ça ne fonctionne pas des masques quand tu mets Just Chatting.
ça. Enlever ça. Aventure. Attendez, je m'en occupe, hein, j'arrive. Hein. C'est pas aventure, il n'y a pas. Bon, très bien. Ok. Let's play. Voilà. Bien ça. Doucement. Doucement. Dépêche-toi d'ouvrir, dépêche-toi, dépêche-toi. Qu'est-ce que... Merde! C'est quoi ça? Merde! Vous fatiguez pas, c'est terminé. Geno, bougez pas, ça sera vite terminé. Ah. Bon. C'était pas l'idée du siècle de s'occuper de ça. Que c'est pas très très bien. Je peux récupérer la pierre et ça m'arrange. Et plus important, c'est là-haut qui ça m'intéresse. Avec le deuxième barrage, plus personne ne passera. Je vais sur le pont. Chariot va revenir avec. C'est quoi ça? Oh merde! Oui, pas. On va plutôt faire comme ça, ouais. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais faire ça. Normalement, il me verra pas. Logiquement. Je sais pas ce qu'il fait. Allez, fais demi-tour. Casse-toi, 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 casse-toi. On recommence. Allez, c'est bon. Allez, on se casse. Qu'est-ce que c'est, ça? Oh! Pourquoi il y a ça? On va te mettre comme ça, de toute façon il nous verra pas. Alors, je crois qu'on peut les attaquer hein, concrètement, mais ce serait pas l'idée du siècle. C'était rien. Oui, à moi maintenant. Putain! Encore? J'en aurai le cœur net. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. J'ai pas mis tenter. Un outil. Je ne voudrais pas encore avoir.
Ah. On va attendre qu'il se casse, lui. J'aime bien les bruits de... planquer là-bas. Oh non, ils ont fermé l'accès à la ferme. Dites au seigneur Nicolas que la route est fermée. Toute personne ou véhicule qui passerait par ici doit être arrêtée et fouillée. On cherche qui exactement? Un gamin de 5 ans, Hugo de Rune. Cheveux marron, les yeux bleus. Est-ce qu'il parle de moi? Mais pourquoi? Chut. Ah, c'est pas urgent de les garder pour de les prendre vivants. C'est impératif. Le seigneur Nicolas tient ses ordres du grand acquisiteur lui-même. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce gamin? À part qu'il a des mots... Il y a un garde. Oui. À part qu'il a des mots de tête et... qu'il est un peu grincheux. Qu'il a l'air un peu, des fois, à faire des grosses bêtises. Qu'est-ce que c'est? Ah, je pourrais pas passer par là. Bon. Alors, attends, laisse-moi réfléchir. Je pourrais lui envoyer une pierre dans la tête. Notamment d'être tranquille pendant un petit bout de temps. Parce que je crois que l'idée c'est de monter. On va essayer d'y aller à la mode safety. Attention. On va aller se planquer en dessous. Il y a des choses. Aïe, je crois qu'il s'en va. Allez, on tente. C'est un pot. Allez, avance. Bon. Comment je vais faire là? Il peut pas me voir a priori. Non, je peux pas lui envoyer ça dans le truc. On va faire la classique. Bah, devant toi. Avance. Vas-y, lentement, oui. Voilà. Oh, on peut faire quoi là? Une poche. Ok, une pochette. Pas mal. Pas mal du tout. Allez, on y va. Amicia, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il me cherche? Tu n'as rien fait. Ce sont eux, les coupables. S'ils nous attrapent, est-ce qu'ils vont nous faire mal? Ils ne vont pas nous attraper, d'accord? D'accord. Par contre, il commence sérieusement à faire nuit. Ça serait bien de se dépêcher. Oula. Hé hey. Oh là là. Hugo, tu es où? Hugo, ça me fait pas rire. T'es où? Hugo! T'as eu peur? L'Inquisition est ici, Hugo. Tu veux qu'il t'emmène? Ne refais plus jamais ça, tu as compris? Bon, d'accord. Ah, les enfants. C'est gentil, mais des fois... Ah, fais voir. Des cochons... Il est mignon. Parle au cochon.
Ah, petit coffre. Voilà. Fais voir, fais voir. Oh, pas mal de passer par là. Là, on est tranquille. Oh, ils sont nombreux. Ouais, je confirme. Ils sont très nombreux. Oh. Oh, je suppose que je pourrais pas l'atteindre de là. Casque, donc ça ne me servira à rien. Je peux pas envoyer quelque chose par là. Je crois qu'il n'y a pas trop 36 solutions. Je vais l'envoyer. Je vais le mettre là. J'ai entendu quelque chose par là. Avance. Oh. C'est ton imagination, je ne suis pas là. Allez, il n'y a rien ici. Non, et c'est vrai, il n'y a rien ici. Salut. Ah, je suis quand même obligé d'avancer. Voyez où l'autre. Oh putain. Je tente un coup, tant pis, ça marche pas. Ah, c'est bon. Enfin, faut que je regarde par rapport à l'autre, là. L'autre, il va me faire chier. Oh, il y a un coffre, oh, putain, il y a un coffre, oh, putain. Essaye de me... On essaye de me faire saliver. Si je lance là. J'ai entendu un bruit. Je vais voir. Sois prudent. Ah, c'est n'a qu'un seul qui y va. Est-ce que je. Bon. Petit deuxième pas. Rien par là. Quoi ? Décidément, c'est louche. J'y vais. Ne prends pas de risque. On ne trouvera rien. Une fois de plus. Retournez à vos postes. C'est noté. T'es chef, toi, maintenant ? Ah, j'ai changé de fouingue. On va attendre qu'il passe. Allez, va faire un tour là-bas. Allez. Oh putain, c'était juste. Un poil de cul près, on était là. Allez. Je vois une porte là-bas. On va le laisser partir. Hé, hey, j'ai vu l'un des nôtres tout à l'heure sur un chemin. Il était mort. On n'en tient pas. Il était mort. Ouais. Ah, ferme. Tout le monde autour de toi peut l'attraper et en crever. C'est ça, la morsure. Bon. Ben, il restera à vous. On va rester discret. Discrétion. Discrétion. Alors attends. D'accord, je vois le délire. Il faut que j'évacue lui. Et j'évacue. Oui. C'est quoi ce cas? Allez, vite. Allez, faut accélérer, mon petit gars. Ils attendent quoi pour sonner le retour au camp? Il fait
presque nuit, bordel. Toujours rien. Je sais pas ce qu'il cherche. Il y en a un là. Rien. C'était quoi ce bordel? Allez, viens. Allez, faut avancer. Allez, 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 vite, 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 vite. C'est bon. Il y a un pot. Ça veut dire qu'on va devoir l'utiliser. Alors, lui, il va être emmerdant. Lui, il fait pas chier de toute façon. Faut que je me calme. Alors, il a pas l'air de se retourner. Donc, par où je pourrais l'envoyer pour que je sois à peu près tranquille? Si je l'envoie derrière, il va se retourner, mais à lui aussi. Quoique. Quoi? Bouge pas, bouge pas. Merde! Je suis pas dingue. Ah, le con! Non, rien. Ah, ça me fait chier, putain, j'ai gâché un pot gratos. Bon, c'est pas grave, on va trouver une autre solution. Ah, ça me fait chier, putain. J'ai un peu moyen de partir que je viens un peu déjarter, là. Et c'est pas bon. Allez, on va y aller comme ça. Tant pis, j'ai laissé passer mon moyen de secours. Si ça marche pas, tant pis. Allez, allez, allez. Voilà. Très bien. Alors maintenant, toi, t'as pas l'air de vouloir trop bouger. C'est encore un... Ah, par là, pardon. J'avais dit de dire... Il y avait des choses... Ils peuvent plus nous voir, hein? Non, c'est bon. Allez, passe par là. Passe, je vais t'aider. D'accord. C'est quand même étonnant. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ça veut dire qu'il va bientôt faire nuit. T'as pas écouté ce que dit les monsieur? Ça veut dire qu'il va bientôt faire nuit et qu'il y a bientôt des... Hugo, on ne doit pas s'arrêter. Pas ici. Je me sens bizarre. Il faut que je le calme. Tu reposeras quand on arrivera chez Laurentius. Ma tête... Ça fait mal. Je sais pas ce qu'il faut faire, Hugo. Elle faisait quoi, maman? Elle me donnait un remède. Je vais te porter. Je peux pas faire mieux. Allez, grimpe. Waouh. Ah, on peut dire ce qu'on veut, mais... C'est beau entre frères et sœurs, hein. J'ai jamais eu de sœur, moi. J'étais très triste. Par là, par là. Tu sais, maman veut pas que je sorte de la maison. Je sais. Ça doit être pour ça que je me sens bizarre. Ah bah ça... Fatigué, c'est tout. Ouais. T'as pas eu ton petit déjeu. Toi, au moins, tu avais le droit de l'avoir. Hein? Non, ah, c'était peut-être pas le truc à envoyer aujourd'hui. Ça rame comme ça. Fais chier, merde. Mais tu dis rame pas comme ça. On va mettre moyen, mais c'est chiant. Moi, je sais pas, ça rame. C'est le moulin. On y est presque. Dis, Laurentius, il va m'enfermer encore. Il va te... Alors, attends, on va faire un truc. On va virer ce qui peut paraître un peu relou. On va espérer que ça va. D'accord. C'est vrai que c'est dangereux dehors. Mais des fois, c'est bien aussi. Tu iras mieux un jour. Bon. C'est des animaux morts. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Ben... On va devoir être très prudent. Il vaut mieux que tu descends, Hugo. Allez, patience, prudence. Ça rentre dans mes chaussures. Oh, c'est pas vrai.
Alors. Oh putain, ça sent pas, pas sentir. Oh putain de ta mère! Pas très reluisant tout ça. Oh non putain, hé, marchez pas dessus les cons. Ok. Allez, a priori je dois aller. Putain. Ils ont mis une torche là-bas. Ils ont mis une torche là-bas aussi. Je sais pas. Allez, on tente par là. Oh putain, j'ai bien fait. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas? Non, là, là je peux pas. Là, si j'y vais, je passe par là. Oh putain! On doit sortir de là. Putain, j'ai reculé comme un con! Bon, ça va, ils sont là-bas, ils font pas chier. Oh putain de ta mère, ça va être compliqué. Oh putain, il y en a à gauche! Oui, bah, j'avais remarqué, merci! Oh putain de merde! Cours, cours, cours! Tiens, je vais te faire monter. D'accord. Bon. Oh Hugo! Ah, soyez pas, soyez pas ratophobe, parce que là, je peux vous jurer que vous faites une crise. Hein. Encore cette boue. On passera pas. Attends. C'est compliqué. Oh, c'est un élégant. Mon Dieu. Ils sont vraiment... tous morts. Ils ont été massacrés. Sans doute par l'Inquisition. J'ai envie de vomir. Ah bah, écoute, on est deux, mon petit Hugo. Attends. Parce que j'ai comme moyen de... Non, c'est pas ça. C'est ça. Non. Là, je sais plus. Moi, je sais plus. Bon, faut que j'aille par là, a priori. Allô, vert. Attends, je regarde. Ah, il y a un coffre. Ah, je crois comprendre ce qu'il faut faire. Putain. Allons-y. Oui. Allez, 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 allez. Non, passe pas par là. Allez, allez, allez. Voilà. Putain, c'est dégueulasse. Je sais pas si c'est le nombre de rats qui fait ramer, mais... Allez, encore une fois. Ah, j'ai vu, j'ai vu. Oh, non, non, pas par là, pas par là, pas par là. Non! Putain! Vite, 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 vite. Oh, juste à temps. Bon, faut pousser. Moi, pousser. Oui. Oh là là. Oh là là là. Oh, c'est compliqué à pousser cette merde. Allez, on y est presque. Amicia, pourquoi ils ont tué les cochons? Peut-être pour contenir les rats ici. Ah d'accord, c'est comme ça que ça se maîtrise. Allez, allez, allez. Je sais, mais si tu lâches, on est mort. Je ne parle pas. Pousse. Imagine que t'es dans le Tour de France et que c'est un col de 18e catégorie. Voilà.
Allez, c'est bon. On l'a fait. Bon, alors, ça me saoule. Pourquoi ça rame comme ça? Ça va commencer à me saouler. Mais tu dis rame pas, il se met à ramer aujourd'hui, tiens. On va mettre ça, on va voir. On y est. Là, c'est en moyen, il se met encore à ramer, mais il va me casser les couilles longtemps le jeu ou... Je sais pas pourquoi ça rame. Ohé, Laurentius ! Chut, Hugo ! Mais... Et si c'était pas Laurentius, hein ? Tu y as pensé ? Pardon. Arrête de lui gueuler dessus comme ça. Bon, on va aller voir Laurentius. Oh, t'es encore en vie. Je suis désolée pour tes amis. Ah, si tous les enfants étaient un peu comme ça. On ouvre la porte. Non. Va rentrer et m'ouvrir la porte le plus vite possible. Sois très prudent, d'accord ? Oui. Merci. Il y a un truc que je voulais faire, c'est piller la maison. Amicia, une fleur ! Hugo, c'est pas trop le moment, tu sais. S'il te plaît. Bon, vas-y. C'est une encolie. Comme elle penche la tête, on dirait qu'elle est triste. Peut-être qu'elle se sentira moins seule avec nous. Oui, c'est pas bien de rester tout seul. Allez, allons-y. Je suis en train de regarder si... Ah, attends, là-bas. Ah, je peux pas courir. Ah, c'est quoi? C'est ça qui a l'air très lourd. Des céréales avariées. Ça doit être pour le cochon. Pour les cochons. Vide. Le cheval. Les rats ont dû passer par là. Le pauvre. Oh là là. C'est pas beau à voir tout ça. Hein. Tu veux jouer avec l'os ? Voilà. Vas-y, monte. Allez. Là, je suis en train de faire un peu de loot. Hein. Allez, on descend. Hop, voilà. Et on avance. Salut, monsieur Cheval. Tu veux pas dire qu'il fallait être prudent? Oh putain! Là c'est vachement bien! Je peux jouer? Non, je peux pas jouer avec. C'est scripté! Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, il y a une deux portes.
On va tester celle-là. Ah, ce dessin, ça représente quoi? En tout cas, c'est joli. Ah, on avait oublié. Fred, Seb l'avait oublié. Bon. On y va. Qui êtes-vous? Maître Laurentius? N'approchez pas, il est contagieux. Toi, tu l'es pas, peut-être? Hugo, c'est toi. L'Inquisition est venue. Nous avons tout perdu. Je n'ai rien pu faire. J'ai... Je comprends. Ils sont venus le chercher. Il y a un mal. Un mal ancien. Dans le sang de ta famille. Dans ton sang. Ta mère et moi avons essayé de freiner sa progression. Mais depuis la brisure, le processus accélère. Tu dois le protéger, Amicia. Tu dois poursuivre les travaux de ta mère. Moi ? Mais comment ? Ah oui, je suis pas herboriste. Ils ont essayé et maintenant ils sont morts. Laisse-moi ! Oh là là ! Ils sont ici. Les rats sont dangereux, mais désorganisés. C'est pas l'air. Au contraire de l'Inquisition. Il a quand même bien organisé. Ils veulent le petit. Ils n'auront de cesse de le traquer. Nous devons disparaître. Il faut aller au château d'Ombrage. Lucas, cours à la grange. Tu dois finir l'ignifère. Ne parlez plus. Je serai digne de vous. Mais... Je suis désolée pour vos parents. Mais vous n'êtes plus seul maintenant. On doit faire vite. Tu vas m'aider à préparer l'ignifère. Ça nous protégera des rats. Et c'est quoi l'ignifère? Enfin, Yennefer, je connais. Mais Yennefer, je connais. Viens, Hugo. Je veux pas que tu restes là. Bah, tu lui envoyais un bâche. À un moment donné, tu te doutes bien qu'il allait pas faire la gueule. Le matériel est dans la grange. Venez avec moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, il est contagieux. Ah, il est contagieux. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est que le gars, là, l'apprenti, on est bien d'accord qu'il était avec lui. Donc le mec a tête dans son corps. Les jambons, bonne idée. Ah, mais ils craignent la lumière. La lanterne. Bon, tu peux y aller. Eh bah, attends 2 secondes. Voilà. Désolé. Bah, c'est pas grave. Et voilà. Hugo, donne-moi la main. Non. Je vois. Alors ne t'éloigne pas. Ça va, vous deux? Ça a été un long trajet. Ah! Hey! Bon, t'as fini de bouder. Bon, boude. Ah, bah c'est du joli, hein. Revenus. Ils sont partout. Il faut qu'on aille au fond de la grange. On peut pas partir sans l'unifère. Il nous faudrait de la viande. Morte ou vive. On va se servir de ça. J'ai compris. Laisse-moi t'aider. On va lui donner à manger? En quelque sorte. C'est ça. Et je pense que Hugo, tu devrais mieux te fermer les yeux après ça. À table, petit cochon. J'aime bien. Après, Hugo, il est très innocent. C'est pour ça aussi qu'il est mignon. Parce qu'en théorie, il comprend pas qu'en réalité, on fait. Nage bien, petit cochon, ou tu auras mal au ventre. Il faut être sûr qu'il reste. Je vais fermer. Il y a une échelle sur le côté. Venez,
Allons-y. Hugo ? Hugo, écoute. Boude si tu veux, mais ne t'éloigne pas. D'un côté, tu l'as envoyé chier. Hein. Il était un peu normal qu'il fasse la gueule. Hein. Passe devant. Reste encore un enfant. Avec tous les problèmes qui va avec. Les lumières. Oui. Hugo, ne regarde pas, s'il te plaît. Pourquoi ? Parce que ce que tu vas voir, c'est pas beau à voir. Non, Amicia, qu'est-ce que tu fais ? Ben... Je suis désolée, Hugo. Mais arrête ! Il est vivant ! On n'a pas le choix, Hugo. Il faut éloigner les rats. C'est horrible ! En fait, t'es comme les autres. Ouais ! On n'avait pas le choix. Oh, t'as fini de chialer, sans déconner. Je passe devant. Pas de problème. T'as dit de pas regarder, tu regardais pas, puis c'est tout. Venez, par ici. Ah voilà. Le pauvre. Qu'est-ce qu'il y a en bas ? Oh. Attention à vous marcher. Ça, c'est pas du simple matériel de docteur. Mon maître est aussi et avant tout un grand alchimiste. Tu t'appelles Amicia, c'est ça ? Moi, c'est Lucas. On va préparer l'inifère. Oui, bah, je... De l'alcool et du soufre. Bah, pour l'instant, je te pille, hein. Dis-moi quand c'est bon. De l'alcool d'accord. Et du soufre. Alcool et soufre. Alcool, soufre. Je crois que j'ai tout. Leviter extractam sic. Tu fais quoi ? C'est du un latin. Assemblage alchimique par dissolution des réactifs. C'est juste de l'alchimie. Je crois que Hugo, là, il a rien compris. Pourquoi mon mal, c'est pas le même que Laurentius ? Il a été mordu par un rat. Pas toi. Ce fou. Et est-ce qu'il va mourir ? Ça doit être ça qu'ils appellent un Athanor. Je vais démon. Tout faire pour que ça n'arrive pas. Putain, ils ont mis des rats dans des cages. Comment ils ont fait ? Bon, allez, on va aller. C'est bon, Lucas. Bien. Maintenant, tu vas les mélanger. Fais-le doucement, c'est sans danger. D'accord. Vous pouvez désormais fabriquer de l'inifère. Maintenez LB. Voilà, c'est... Oh là là. Oh là là. Oh non. Non. J'ai pensé. Non. L'inifère, Amicia. C'est le moment. Vise les braises au centre de la pièce. D'accord. D'accord. Oh la vache! C'est moi qui ai fait ça? C'est moi qui ai fait c'est ça! Tu as fait de l'alchimie? Oui, ton mélange était parfait. On dirait que tu as hérité de ta mère. Tu sais quoi? Je pourrais te montrer comment créer d'autres projectiles. Ça nous serait utile. Volontiers. Merci. J'ai fini mes mélanges. On doit retourner voir Laurentius. Amicia, tu devrais passer devant. Ah oui, parce que c'est moi l'héroïne, hein, bien évidemment. Sur les braises. Pourvu que ça ne m'explose pas au visage. Allez, monte. Ouais, je vais peut-être en refaire d'autres. Faut qu'il me reste plus de cailloux. C'est peut-être pas l'idée du siècle ce que j'ai fait. Là, il va falloir gérer le nombre de cailloux qu'il en a. On a... Il y en a beaucoup. Laurentius, je vais dégager un chemin. À mon avis, monsieur Laurentius. Oh, ta mère, putain. Voilà. Mais, putain, arrête de ramer. Par ici. Bien. Allez. Laisse-moi. Oh là là. Pour tout à l'heure, je voulais te dire. Je suis vraiment. Oh non. Amicia, les rats. Il n'y a plus de lumière dans la maison. Oh non. Tu tiens à ça, les alambics. Attention. C'est quelque chose.
Bah, tu veux que je fasse. Maintenant. Tu veux que je fasse quoi? Le cheval, il a déclenché un script, vous y allez. Ouais, on a besoin de ce cheval. Ils sont partout. Lucas, je suis là. Il va où ce chemin? Lucas, on va où ça? Vers la rivière. Mais alors ça? Voilà. Voilà! Putain, du Yennefer, on en a. Mais putain, mais lance-le! Merci! On est encerclé! Oh, par où? On va où maintenant? Il y a une barque là-bas, après le moulin. Alors on y va! Amicia! Le moulin, il est presque en feu! Ah, je crois savoir ce que. Bien joué, Hugo. Ça devrait marcher. Lucas, viens. Voilà. On y va. Oh là 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 là. La joie et la bonne humeur. J'ai vu un RS apparaître. Putain la vache. C'est à la fois beau, mais c'est à la fois effrayant. La Plantis. Le butin des corbeaux. Bon. On a fait quand même une belle partie. Mouah. Ça donne envie, hein. Fais dodo, mon petit Hugo, fais dodo, t'auras du lolo. Lucas? Lucas? Oui. C'est quoi cette chose dans son sang? Il y a une vieille histoire. Elle parle de la Prima Macula. Les alchimistes appellent ça la première corruption. Et elle voyage en silence dans le sang de certaines familles. Mais quelque chose s'est produit. La brisure. Et la macula s'est réveillée. Dans le sang d'Hugo. Et c'est quoi la brisure? Mais qu'est-ce que ça va lui faire? La macula ignore le bien et le mal. Elle évolue avec son porteur. Pour changer les choses. Le monde. Tu sais, ta mère et Laurentius essayaient d'aider ton frère. Mais ils ont échoué. Non, je pense qu'ils ont juste manqué de temps. C'est ici. Hugo, réveille-toi. Allez Hugo, on va marcher. Ça va te réchauffer. En suivant la Duc, on devrait arriver au château d'Ombrage avant la nuit. C'est quoi ce bruit? C'est rien. C'est juste des grenouilles, Hugo. Des grenouilles? Il a l'air d'aller bien. Oui. Croisons les doigts. Ouais. Bon. Bon, on va faire le prochain chapitre. On va peut-être changer de jeu. Comme ça, sera déjà ça de fait. On va faire du Duel Links, tiens. Un peu de Duel Links.
Quelle heure, 18h? Ah, enfin, du escapiste. J'en ai fait un petit peu, j'ai un peu compris le délire qui nous est proposé. Donc, ce qu'on va faire, on va faire du escapiste. Comme ça, on va tester le bordel. On va tester le escapiste. Par contre, je vous préviens, c'est étiré à mort. Hein. Alors, j'ai un peu compris le délire parce que je vous cache pas que dès toute hier j'avais rien compris. Voilà. On va les tirer un peu. Fais les options, qu'est-ce qu'il y a? Mode fenêtré, défaut, comment. Jouer. Bah, première partie, vous l'aviez déjà vue, donc je vais pas vous la. On va juste se faire un petit. C'est quoi, c'est escapiste? Vie. Allez, attendez. Faire un truc. Voilà. Vie escapiste jour 2. Voilà. On y va. Eh hey, les gars, s'il vous plaît. Les crétins, nous allons fouiller les cellules sans Mika et Hunter. La plupart des fugitifs reviennent de plein gré. Le directeur fera peut-être une visite aujourd'hui. Nous punissons par amour. Quelqu'un a forcé la remise. Le plat du jour sera agrémenté de caviar, putain. Ne marchez pas sur les pelouses. Moi je marche, les pelouses, regardez, je marche. Vous regardez personnellement chaque oreiller. Ah, il y a un truc. On va aller déjeuner. Je cherche paquet de cartes. Oui. Il y en avait un autre, je crois. Tu veux bien te peigner. Il y a un truc que j'avais remarqué. Allez, on y va. On va aller se promener. J'avais découvert un truc, c'était là. Faut que je fasse très attention. Alors, je cherche un jeu de cartes. Carte postale, non. Ça m'intéresse pas, ça. Une fourchette. Bah, ça va servir, mais à prendre. Ah, paquet de cartes, justement. J'avais besoin. La télécommande du téléviseur. Papier alu, peigne, rouleau de papier, dentifrice. On va aller ramener des objets dans le bureau quand même, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Alors. La fourchette, je sais pas si ça sert. Juste le briquet et le paquet à LED, on en a pas besoin. Bonjour. On va se dépêcher parce qu'il va revenir, lui. Peigne, couteau. Le kit de pédicure. Une éponge. Ouais, non, rien d'intéressant. Alors, une montre. Oh, pas mal. Bon, rien de transcendant, en fait. Qui est-ce qui voulait un jeu de cartes? C'était Chase. Ah. Non, mais attends, reste là. Tiens. Parfait. Ah, une baston là-bas. On va aller voir qui c'est qui se tape. C'est Nick. Ah, Nick, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a un ours en plus, une épaule. Et un petit drap, on va le prendre. On va le donner à Chase. Chase, bouge pas, Chase. Les toilettes sont bouchées. Ah bah, qu'est-ce que tu veux? Voilà. 82$, c'est bien. Ah. Bah, réveille-toi, mon gars. Ah, déjeuner.
traque ce sale rat depuis des jours. Encore une baston. Alors c'est qui? Récupérer oreiller de Joshua. C'est qui se tape là? C'est pas Joshua. Hey, il me tapait avec moi? Imagine que ça a un coup. C'est vrai, imagine. Allez, on y va. Comment il a fait? Avant, j'étais barbier. Allez, emploi laverie, oui, c'est vrai. J'allais faire mon travail de laverie. Après, j'imagine qu'en fonction de... Voilà. Ah putain, c'est pas évident la souris quand même. Je sais pas à quoi ça va me servir cette fourchette. On va attendre parce que la fois que je suis monté, il a voulu me taper dessus. La fourchette, je sais pas ce que je peux en faire. Non, récupère là la fourchette. Est-ce que cette fourchette, je pourrais m'en servir pour faire... Je pourrais m'en servir comme arme. Ça reste une arme quand même. Est-ce que je peux démonter quelque chose avec une fourchette? Ça, je sais pas. Attends. Alors, hop. Dommage parce que j'avais récupéré une lime dans un des épisodes et j'avais réussi à démonter la grille. Souci. Non, on va pas taper avec les officiers. Ah, la douche, ça fait enlever la fatigue. Oh, oh mon dieu! Une fabrication déjà. Putain! David, tu m'intéresses. Je peux pas le prendre là. Attends, bouge pas! T'es où? On s'en fout. Qu'est-ce qu'il veut, Joshua? On s'en fout. David,
C'est David, je sais plus. Ah putain, je le trouve plus. Il est où? C'est Gavin, je crois. Bon, c'est quoi? On ira le chercher plus tard. Putain, il a un tournevis, ce con. C'est trop de la bombe. Là, je le trouve plus. C'était lui, je crois. Non, une... Oh, une corde. Je crois que c'est Gavin. Toi. Ah. Ah, c'était toi. C'était Miknu. Là, je peux pas l'acheter. L'idéal, en fait, c'est de défoncer... Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Une herse? Parce que ça va me servir, mais ouais. On dirait du vomi. Là, 89$, c'est pas mal. Ouais. Je prends le tournevis. On va aller le dé... Non, c'est pas là. On... PO libre, justement, on peut se le permettre. Allez, vite. Voilà, on va aller planquer le tournevis dans une autre salle. Voilà, ça, personne ne saura. Hop, palam, papam, papam. Un peigne. Putain, t'es pas mal quand même des trucs, hein. Faut que je trouve une pelle. Ah, attends. Est-ce qu'un ferrailleur, concrètement, il fait pas des pelles, il n'utilise pas les pelles? Non, ça m'intéresse pas. L'agent d'entretien, le balai, il me servira à rien. Cuisinier, tu vois. Ouais. Ça, c'est les cartes postales. Ça, je pourrais me déguiser à la limite. On va faire ferrailleur. Ah, pardon. Là, je démissionne. Là. Ah merde! Ah, il faut que. En fait. Ah, il faut que j'empêche un... Oh, putain. Ah, il est KO. Une chaussette. Ah, je pourrais mettre des somnifères dans sa... dans la bouffe. Ce qui ferait que, bah, il pourrait pas... Tout le monde s'endormirait, et puis voilà. Pas bête, ça. Il me reste plus grand chose. Hein. Ah, il me reste 24$. Après, la question, c'est est-ce que la grille est toujours ouverte ou pas? Ah, merde. Attends. Faut que je garde le tournevis sur moi. Bah, il l'avait sur lui, il n'y a pas. Ça avait pas l'air de le gêner. Bon, d'un côté, ce n'est qu'un tournevis. Pourquoi il y a du vert, du rouge? Ah d'accord. En fait, en fonction de là où tu... Par exemple, là, si je me mets là, en fait, je vais avoir le contacteur de plaque et ça va pouvoir m'aider. Bon. Appel de fin de journée, putain. Je veux pas trop... Oh, ça fait mal. Bon. J'ai mon tournevis. J'aurais dû le laisser dans ma salle en fait. Faut que je regarde la tension des cartes des fois.
Ah, ça marche pas. Putain, j'ai perdu. On va faire. On va refaire, sauf que... Bon, de toute façon... On va s'arrêter là. On se retrouve